choisissez une tactique, choisissez une stratégie et préparez-vous à ce que rien ne se passe comme prévu. Car le football, c'est ça, c'est pas des maths, c'est le destin. Mais est-il vraiment prévisible? Le roi des jeux ne se laisse pas amadouer aussi facilement. Le plus beau des sports ne cédera jamais son coup. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? On est impatient de le découvrir. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Le plongeon pour sauver ce ballon, on est par contre au milieu de terrain, et pour finir, ça va dans le jeu avec une attaque à deux têtes. Attention Alvarez. Voilà. Le jeu aérien, ce n'est pas seulement la détente, c'est surtout le tempo, la lecture des trajectoires. Quel arrêt splendide. Ouais, le ballon est bien intercepté. C'est pour Haaland en bonne position. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Haaland, l'action est remarquable du début à la fin, mais il manque le plus important. Et le plus important, c'est quoi? Il manque la précision pour finir cette action. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Le ballon pour une frappe. Oh, l'arrêt, mais c'était... L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu avec Jack Grealish. Il se défait là de l'adversaire direct. Et le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et maintenant Haaland. Attention, bon, mais dans le sens peut-être. Et c'est le but 1-0. Ce match s'illumine enfin. Ce but va transformer la fin de la rencontre. Voilà ce qu'on attendait, un déclic, les filets qui tremblent, la fin va être enflammée. Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive, ça donne une manifestation amplifiée de la passion. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Bon passant sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité, c'est son tour. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. C'est terminé pour ce premier match de poule donc de cette campagne européenne et ça commence plutôt très bien avec cette équipe. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Et sur ce match, on peut dire que l'attaquant argentin Julian Alvarez a rayonné son but. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers.